Ouais, c'est un petit peu ça. Les prochains matchs vont fixer un petit peu les objectifs de notre fin de saison. On s'est bien remis à l'endroit là face avec le dernier match face à Toulouse. Donc ça peut être une bonne chose de faire un résultat à Strasbourg, mais voilà, on va prendre ces matchs comme des matchs de coupe. C'est vrai que c'est une bonne référence parce que ça va être voilà, six finales. Maintenant, à nous de faire ce qu'il faut pour toujours être dans le coup à l'abord des derniers matchs, puis voir où on se situe à la fin. Oui, non, bien sûr, on est proche de cet objectif, mais voilà, on peut se servir de la saison passée comme chose à pas faire. Voilà, on a lâché un petit peu cette place à la fin, on termine 10e. Je pense que ça ne reflète pas du tout notre saison passée. Donc à nous de se servir de ça pour justement mettre les ingrédients qui nous ont manqué la saison passée et puis tout faire pour faire un finish de folie. Mais je pense qu'on a terminé avec quelques regrets la saison passée, surtout au vu de la place à laquelle on a fini. Dixième, on a quasiment jamais été dixième sur la phase de retour, donc c'était vraiment très, très cruel. Mais on a eu ce qu'on méritait. Voilà, aujourd'hui, on est à la place qu'on mérite aussi. Et si on veut aller plus haut, il va falloir enchaîner des belles performances. Et puis ce match de Strasbourg qui va être vraiment, je pense, très, très intense, à nous de faire ce qu'il faut pour obtenir un résultat. Non, parce que c'était tellement serré qu'une victoire pouvait nous remettre dans le coup assez rapidement. Et puis ça a été le cas. Donc, prochain match à domicile, ça va être Paris, ça va être un match compliqué. Mais voilà, l'objectif, c'est vrai que si on arrive à faire carton plein à domicile, peut nous permettre de viser plus haut. Donc voilà, mais on va commencer par ce match de Strasbourg, qui aussi font une saison très intéressante. Ça va être vraiment un très beau match. Pas forcément d'explication, on a eu un coup de moins bien, je pense, début de phase à retour. Voilà, alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on arrive à se remettre dedans. Et puis, comme je te dis, on est toujours dans le coup aujourd'hui. Donc, on a des performances un petit peu en dents de scie. Mais il va falloir gommer ça si on veut vraiment viser plus haut. Un match bien, un match moins bien, ça peut pas continuer si on veut espérer viser plus haut. Non, justement, c'est un sacré challenge. On joue pour avoir des challenges comme ça. On est des compétiteurs, donc. À chaque match, on peut se dire qu'on peut viser plus haut. Donc, c'est super intéressant et ça se voit. Il y a de la bonne humeur, il y a l'envie de travailler. Et même si il y a une certaine usure physique et mentale du fait de la fin de saison, le fait de se dire qu'on peut espérer accrocher une place européenne nous motive bien plus. Donc, le groupe est vraiment très, très mobilisé. Non, je pense pas. Ça nous a réussi par moments. À d'autres un petit peu moins, mais je pense qu'on peut à la fois allier ambition offensive et puis efficacité défensive. On a su le prouver à de nombreuses reprises, donc faut être très très vigilant et puis l'objectif c'est toujours de marquer un but de plus que l'adversaire, ça nous permettra de gagner. Donc, mais c'est vrai que par moment, par souci d'attaquer, on oublie nos principes défensifs. Faut régler tout ça et puis c'est ce qu'on a travaillé à l'entraînement depuis quelques temps. Ouais, son travail paye hein, depuis l'an dernier. Ils font une sacrée saison, ils remportent la Coupe de la Ligue avec des joueurs qui émergent en plus. Franchement, je pense que c'est bien chapeauté de l'extérieur. Et puis aujourd'hui, voilà, ils sont encore bien placés en championnat avec une victoire en Coupe de la Ligue. Ce qu'ils font, c'est remarquable.